Monsieur Nanga a dit que nous avons clairement que l'élection est une élection qui est considérée qui n'a pas donné l'élection T. La Bible a qui résultat par rapport à l'arrangement particulier entre Kabila et Félix Tshisekedi. Depuis un certain temps, Monsieur Nanga a bandé que ça va alerte. Il vous souviendra que lorsque Bayamba qui n'est pas Jean-Marie Kassamba, M. Nanga avait fait des déclarations et ces déclarations en réalité étaient qui assez claires. Mais après un certain temps, Yemoko a zongi dans Maloba naye et puis a Luka qui a changé Maloba ou ya Lobaki. Bisoto Lobaki déjà que Makambo a lobi moya zonga na simate parce que à l'obaki certaines vérités, oyo peuple nabiso assez à yoka et pas nabiso. Mais to kanisaki, azaki n'a assez de courage pour n'a pas continuer. Le loyo à l'obi ango na France 24. Et je crois, bandeko e belé, balandi ango, ce qui moye et monani, to kokipe ko sa la nyonso, n'est-ce pas, pour que bandeko balanda kite bakoka. Kolanda yango attend en audio boende ko permettre na bango baye ba ko comprendre ce que nous voulons dire. Mais loko ezali très important yakoye ba ezali que on n'a pas le droit de priver à Nanga le droit de dire ce qu'il sait et ce qu'il pense. Ba déclaration wana ezali ba déclaration te boye ko zwa ngo à la légère. Et d'ailleurs, la déclaration Oyo, les accusations mais effectivement, na cadre ya une stratégie, na cadre ya makanisi na bango Oyo bazali na yango. Monsieur Nanga cette fois-ci a confirmé que l'accord a été signé en 2018. Bato balandi, bazo ko comprendre makambo nga na lobi. A lobi que l'accord est signé en 2018 avant la publication des résultats. Ce qui veut dire que, oh, M. Félix, c'est qu'il y a l'obaki qui va signer un accord après publication des résultats à Kossi. Mais, boyo kayeloko, élection, le vote est salamaki le 30 décembre 2018. Entre le 30 décembre 2018 na le 1er janvier 2019, il n'y a qu'un seul jour, le jour où il y a les 31. La publication et le résultat est ça a mis le 10 janvier. La prestation à serment est bonga et ça a le 20 janvier, ça a le 24 janvier. Ba date wana esengeli na binonyo sobo bomba yango parce que yango ne la li base ya analyse na biso ya mukora lelo. Soki mutalobi na yo ke ba signa ki ba accord na 2018 yeba yango ba signa ki ba accord soit le 31, soit le 30, soit le 29, soit le 28, soit 10 janvier. Parce que vote salamaki le 30 décembre. Le col a vote salamaki le 30 décembre. Et la question que Moutou Oya signa qui n'a yé accord à la qui supposé à koye ba résultat T. Parce que le vote est salamaki le 30 décembre. Un jour après, Tokoma qui n'a fin de l'année. Tokota qui n'a 2019. Oh, bango ba signa ki en 2018. Soki ba signa ki ango en 2018. Bango yoko signa ango le 20 décembre, le 30 décembre na boutou. Soki ba considera ki ba donné ya électronique. Comme aussi ba koyoko signa ango na le 31. Soki ba signa le 31 te mbala mo e komi le 20, le 2019. Loko la yemoko a lobi ke. Ba signaki na 2018 bo comprendre yango ba signaki avant le vote bitumba o biso toza komene ezali contre batuloko ya bananga wana biso na bango to bunda bitumba mote bango ba o revendiquer
ba droit na bango o ba yokanaki entre bango mais biso tozo revendiquer le respect ya droit ya peuple to bunda kumba morote po soko tali bitumba na bango ba o revendiquer biloko ba yokanaki na Félix Tshisekedi mais biso tozo bunda po na koyebisa na bino que bango ba yokanaki na Félix Tshisekedi ba sala ki makambu o eboga ki ba sala te et makambu wana et mettre en mal la survie de la nation et mettre en mal les intérêts du peuple. Les lots vont comprendre que ces accords ont été signés avant le vote. Parce que le vote est salamaki le 30 juin et le 30 décembre. Bah, signé qui va accord na bango avant le vote. Ce qu'on sangisi makambu ya Kadima, ya Nanga, ou sangisi makambu ya Félix Tshisekedi, cet accord a été signé avant le 30. Ce qui veut dire que Bokonzi Oyo Félix Tshisekedi azali na yango, ezali Bokonzi qui n'a rien à voir avec le processus électoral. Vous avez été dupé. Le quoi bato yo ba délinquant nyonso ba komosa ba déclaration na bango. Il est temps d'en finir, il est temps de mettre fin à cette folie. Partout ici kozali téléma. Pe bundela école na yo. Téléma. Bundela va droit na yo. Donne un sens à ta vie. Et rien ne te dit que Goku Fakak. Bundela, ozo que trouver juste. Tika kolala. Ma mission TV, le miroir du monde. Pourquoi Lelo? Tolingi, ensemble avec vous, Tomeka, quoi analyser avec sérénité, avec la sérieuxité nécessaire, le propos captieux, il y a Monsieur Nanga. Dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, réfléchissons bien. Tout ça, la caille fort, il y a qu'on réfléchit ensemble avec vous pour que tout y ait, bah, n'est-ce pas, il y a qu'on soit de bonnes orientations par rapport à l'enjeu politique. Vous l'avez remarqué comme nous, depuis un certain temps, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites et cela ne peut pas nous laisser perplexes. Et c'est bien un bisou, effectivement, tout y est, bah, Kolobelayango, pour que notre peuple, notre population, à comprendre qu'est-ce que nous pensons en réalité par rapport à toutes ces déclarations. Yaliboso o esengé na biso toloba, ezali que ba déclaration wana ezali ba déclaration te boko kozwa ngo à la légère, ezali ba déclaration oyo ezako salema effectivement na cadre ya une stratégie, na cadre ya makanisi na bango oyo bazali na yango et biso en tant que politique, biso en tant que batu oyo bazali balobeli ya peuple tokoki kutika yango te et salema sans que to prendre parole, sans que to prendre position au risque ya kutika peuple na biso dans la confusion et c'est là et qu'on risquait et pesait sur nous en tant qu'élite, nous en tant que bah, aspirants, il y a changement, un changement radical. Depuis un certain temps, M. Nanga a bandé ça à alerte. Il vous souviendra que lorsque Bayambaki et pas Jean-Marie Kasamba, M. Nanga avait fait des déclarations. Et ces déclarations, en réalité, ils allaient qui assez clair. Mais après un certain temps, yemoko a zongi na maloba na ye, et puis a luka ki ko changé maloba o ya lobaki. Biso to lobaki déjà que makambo a lobi moya zonga na simate parce que a lobaki certaines vérités oyo peuple na biso asia yoka e pa na biso. Mais to kanisa ki Azaki a assez de courage pour na continuer. Lelo yo a lobi yango na France 24. Et je crois bandeko belé balandi yango
ce qui moi et mon ami donc occupé que ça la nyonso n'est-ce pas pour que bandeko balanda kité bakoka kolanda yango attend en audio boinde ko permettre na bango baye bako comprendre ce que nous voulons dire. Mais lo ko ezali très important yakoye ba ezali que on n'a pas le droit de priver à nanga le droit de dire ce qu'il sait et ce qu'il pense. Parce que là, ezali ba principe o ezali déjà reconnu universellement, parce que ce côté même la déclaration il y a droit de l'homme, déclaration universelle, il y a droit de l'homme, azali n'a droit effectivement de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il dit. Mais au-delà de ce qu'il dit, il faut tout lukato yeba, quelles sont les vraies intentions et quels sont les enjeux voilés, pour ne pas dire ben, enjeux cachés. Et c'est ce qui doit nous intéresser. Biso baoyo, tozali na pousa yakomba. Parce que l'autre, tu remarques, Zali, bandeko mingi mingi, soki ba yoki ba jan yaba déclaration wana, bazan a tendance à kobenga biso, ah, papa le omoni, makambo lo baki yangwana ye pa lobi, ya papa le omoni, makambo bandeko lo ba ye pa zako kanisa yango mark wana. Non. Biso na bango to wana kumba mote. Kumba o biso to zako mene, to o mene yango contre bango. Il faut to ye ba, ko précise esika wana. Bitumba o biso to zako mene, il allait contre Batuloko à Bananga wana. Bisona bango to bunda bitumba mote. Bango ba o revendiquer ba droit na bango o ba yokanaki entre bango. Mais biso tozo revendiquer le respect ya droit ya peuple. To bunda kumba mote. Po soko tali bitumba na bango ba o revendiquer biloko ba yokanaki na Félix Tshisekedi. Mais biso tozo bunda po na koye bisana bino ke bango ba yokana kina feise ke di basala ki makambu o ebonga ki basala te e makambu wana e mettre en mal la survie de la nation et mettre en mal les intérêts du peuple. Parce que po nanga et puis po na constitution to yebi ke le peuple nde aza souverain yende muta komisaka mutu mukonzi. Et fort malheureusement dans leur conception de choses, baza ko linga ko la kisabiso, ki voilà, bango, baza na ba pouvoir, et ba pouvoir ango na ebite, so geza pouvoir mystique, so geza pouvoir anini, baza na pouvoir ya ko komisa batu bakondi, baza na pouvoir ya ko revendike, ou bango ba monike, eza ba droit na bango, mais jusque là, le peuple ne se prononce pas. Et c'est, ça devient très dangereux. Très dangereux pour toute la nation. Très dangereux même pour l'avenir du peuple. Yango moni lelo to lingi ensemble avec vous to solo la. Alors, eloko esengi na biso to yeba. Mais ce Nanga cette fois-ci a confirmé que l'accord a été signé en 2018. Bato balandi bazoko comprendre makambo nga na lobi. A lobi que accord ezalaki signé en 2018 avant la publication des résultats. Ce qui veut dire que oh monsieur Félix c'est que alobaki que va signer qui accord après publication des résultats a kosi. Mais boyo kayeloko. Élection, le vote et salamaki le 30 décembre 2018. Entre le 30 décembre 2018 na le 1er janvier 2019, il n'y a qu'un seul jour, le jour où il y a les 31. La publication et le résultat et ça a mis le 10 janvier. La prestation à serment et bonga et ça a le 20 janvier, ça a le 24 janvier. Badat wana esengeli na binonyo sobo bomba yango parce que yango ne la li base ya analyse na biso ya mukola lelo. Soki mutalobi na yo ke ba signa ki ba accord na 2018 yeba yango ba signa ki ba accord soit le 31, soit le 30, soit le 29, soit le 28, soit 10 janvier. Parce que vote salamaki le 30 décembre.
Le col à vote, ça m'a dit le 30 décembre. Et la question que Moutou Oya signa qui n'a yé accord, à la qui supposé à couillé par résultat T. Parce que le vote est salamaki le 30 décembre. Un jour après, tu komaki na fin de l'année. Tu kotaki na 2019. Oh, bango ba signaki en 2018. Soki ba signaki en 2018. Bango ko signango le 20 décembre, le 30 décembre na boutou. Soki ba considéra ki ba donné ya électronique. Comme aussi, il va signer en gros le 31. Ceux qui va signer le 31, c'est Mbalamour et commis le 20, le 2019. Le col a yémoko à l'objet que va signer qui la 2018, pour comprendre en gros, va signer qui avant le vote. Dans le processus, il y a vote. Dans le processus électoral, vote est allé jour où le peuple a quelque déposé ma voix na une. Boyebi l'étendue de la République. Boyebi qu'effectivement, on peut avoir une idée sur les tendances, mais c'est difficile parce que, n'a pas place, m'sou, bah, d'aki, n'a pas problème à connexion, n'a pas place, m'sou, bah, d'aki, n'a pas problème à électricité, bah, tout, bah, n'est qu'on continue, qu'on ça, la comptage manuel, il y a, bah, bulletin de vote par rapport à l'exigence, il y a loi électorale. Et donc, on ne pouvait pas avoir la certitude sur les résultats, le 30 décembre. Parce que bah bio bien que kangamaki bah bandaki ko ça la comptage manuel et la plupart bah témoins bah lala ki kuna po bah zela bah si sa comptage manuel bah signer bah fiche des résultats bah signer bah procès verbaux sanctionnant la fin des opérations na boende siko bah kozwa siko bah donner wana bah ko tinda na niveau ya central na niveau ya Mbandaka ya Équateur na niveau ya Mbandaka pour le cas Équateur. Na niveau ya Matadi pour le cas à Congo central, na niveau ya Bukavu pour le cas à Sud Kivu, na niveau ya Goma pour le cas, bref, na ba chef lié à ba province, ne benga ba tinda kuna, kuna ne benga ba sala siko compilation à ba donné pour que ba tinda na bureau national ya CENI. Ce qui veut dire que la probabilité ya ko sala yango avant vote et tikali kaka, les 30. Oh, les 30, c'est difficile, toi, tu peux démontrer à vous. Ce qui va s'aller qui en gros, les 31, va signer qui accorde les 31. Ah! Voilà, tu vois, que, bah, voilà, va signer qui va accorde les 31 avant que les résultats, bien que, bah, va publier qui n'a pas de résultat, mais, on a déjà, bah, résulté, ça qui déjà dans ma boue. Oh, la précision à Kolo, bah, que, bah, signa qui en gros, avant le jour, il y a vote, il y a après le jour, après vote, moutou et fois pèse abissou en gros, et ali nanga. Parce qu'il n'avait qu'un seul jour. Ce qui est salamaki na 2018, et que salamaki sur base, il y a proclamation, il y a résultat, ou sur base, il y a résultat, na maboko, soit, et salamaki, le 31, parce que le premier, comme qui déjà 2019. Ma petite précision, accord et salamaki en 2018. Ce qui est accord et salamaki en 2018, n'a pas besoin de la wana, et qu'on y a les macaques à les 31. Parce que les 30, ça ne pouvait pas être possible pour résultat, sondage, bah, tendance, il y a bah élection, il y a bah la inante. Il y a bah la inante par rapport, il y a bureau national, il y a CENI. Bah, tu m'en es couillé, bah, par rapport, il y a bah sondage, il y a bah mboka wana. Et puis, ce qui est vrai, pendant ce temps-là, les 30 ouan, les candidats n'étaient pas censés avoir toutes ces informations officielles. Même si Basala Kiango le 30 décembre, la question maintenant, il faut que l'on bat. Quand est-ce qu'ils ont commencé à se contacter pour signer l'accord le 30 décembre? Parce que je doute fort que, bah, 16h, 17h, 18h, il y avait possibilité de se contacter pour que bah signer bah accord avant minuit. Probablement que ces accords étaient signés pendant la journée. Mais avant bah signer bah accord, wana, certainement qu'il y a eu de pourparlers. Parce que je doute fort que les partis pouvaient déjà s'hasarder à signer des accords alors que bah y a pas qu'une tendance.
Et il vous souviendra que M. Félix Ekéalobi, le vieux Chibanda, na M. Némi, le directeur de cabinet à Kabila, ba benga kiye, moussou a benga kiye, après moussou a benga deux jours après. Pour ba solo là. À l'issue à Kosola, na ba onde ba signa ki ba accord. Ce qui veut dire que ma tractation a préparé signature ya ba accord, et ça m'a dit avant le 30 décembre 2018. Les lots, pour comprendre que ces accords ont été signés avant le vote. Parce que le vote est salamaki le 30 juin et le 30 décembre. Bah, signé qui va accord na bango avant le vote. Ce qu'on sangisi ma kambuya Kadima, ya nanga, ou sangisi ma kambuya Félix, c'est que dit, cet accord a été signé avant le 30. Tango bah signé ango, bazalaki, naba policier, naba militaire, naba ta renseignement, bref, le conseil de sécurité, bazalaki wana, pona ko signer cet accord-là. Donc, mouto bato ba komaki texte, eza ba nanga e consort. Tango ba signer pour que ba kabola wokonzi. Ya lobi, mwae ba beta li solo, ya ba nani, nana ganya kite, parce que sous ces alaki ya kosunga mboka. Toda la possibilité que Félix Séké ndaza la gagnant, bien que ezali certainté. Félix Séké aza la gagnant. Sauf que Félix Séké aza la ki gagnant. Quelle était l'urgence de signer avec lui un accord pour partager le pouvoir alors que les résultats étaient supposés être connus? Parce que ceux qui voyaient bien que Félix Séké aza qui président de la République, Boye bi ke Kabila azwa ki majorité parlementaire. L'urgence est là qui wapi a ko signé ba accord mbangu mbangu. Et cet accord n'a pas été signé dans un beau cadre. L'accord a été signé dans un cadre institutionnel pour sauver, d'après Bango, sauver la République. Pour mon élote, Lobaka, la vérité n'est pas périssable. La vérité finit toujours par triompher. Et le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Aujourd'hui, ces messieurs, à sale déclaration, à l'obin abino qu'effectivement, l'accord a été signé avant la publication des résultats. Les résultats est salamaki le 10 janvier. À l'obin abino que cet accord a été signé en 2018. Alors que le vote est salamaki le 30 juin et le 30 décembre. Donc, bah, ça là qui est avant le vote. Alors, sur base de quoi, bango, bah, signa qui, bah, accord, pour n'a qu'au kabola, bokozi, alors que les résultats, même yé, nanga, n'était pas censé avoir toutes les informations. Sur base de quoi? Parce que le 30 juin et le 31 décembre, nanga était supposé ne pas avoir les informations. Sur base de quoi, bah, ça là qui, bah, ça là qui, bah, signa qui, bah, accord. Parce que d'après l'esprit à la loi électorale, bango banga ki basé la ba information o e outi na ba centre de compilation. Oh, le centre de compilation est fungwama ki le 31 décembre. Le centre de compilation est fungwama ki après. C'est au mois de janvier que le centre de compilation est fungwama ki. Et c'est à partir de là ba komi ko recueilli les informations o e outa ki na ba territoire, ba tindi ango ya ba commune, ba tindi. Ba sangisi ango ba sali ba pli ba sali rapport à qui de droit ne ba faire acheminer ba pli wana pour que à partir à Kinshasa ba sa la compilation na bango ba dégager maintenant les tendances ba dégager les résultats d'abord par rapport à président de la République et par la suite par rapport à ba député et d'ailleurs bon mona ki ils avaient privilégié le parlement ni la présidentielle. Poba yeba ki ke batoumane koze la mini présidentielle. En ce qui concerne les députés nationaux, ba renvoya ki angwa une date ultérieure. Ba kanisate ke biso nyonso toza ba zoba, togo ndima o nyonso bango ba lobi. Ba nekonangay, ata bino moko, bo ebi sanga. Nanga zolo banabino, ba yeba ki deja ke batoumane tendance zwa ki pouvoir, Félix Tshisekedi a zwa ki présidence, majorité et puis ça maquine à FCC. Sur base de quoi? Il y a le bac qui est en haut. Parce que FCC n'a pas
FCC n'avait pas aligné les candidats. C'était le regroupement politique. C'était le regroupement politique. Alors dites-moi, comment le regroupement politique qui n'avait pas encore fait leur déclaration, il y a quoi appartenir à une majorité, parce que ça, il y a un bureau, un plénière et l'Assemblée nationale. Comment à ce moment-là, on pouvait déjà procéder à la signature des accords avant 2019? Ce qui veut dire que Bokonzi, oh yo Félix, c'est que Azaïnango, et Ali Bokonzi qui n'a rien à voir avec le processus électoral. Vous avez été dupé. Les élections n'ont servi à rien du tout. Bah, considérez même pas bah, donner il y a élection. Parce que Boyebisangaï, est-ce que le 30 décembre, bah, qui a la majorité qui ne l'avait pas? Ce qui vous lobby, qui vous soit qui va donner à présidence, à élection présidentielle, est sur base à la clé ISB ou sur base à donner aux Isala qui n'a serveur. Mais où est-ce que député, vous voyez, parce que le regroupement se déclare appartenir à la majorité pendant les plénières. Comment sont-ils arrivés à déduire ou à conclure que Kabila avait la majorité, Félix Tshisekedi avait la présidence? Et comment est-ce possible que l'accord ait à la signer sans qu'il y ait de protocole d'accord? Ils veulent nous dire qu'ils ont débattu sur la question le 31 décembre. Ils ont signé l'accord le 31 décembre. Pour moi, bon, ça n'a pété. Le 30 décembre, ils avaient qui jouent. Le 30 décembre, oh, Bakina et Navo, ils avaient qui jouent. Est-ce qu'ils avaient qui jouent au moment ouvrable? Et en signant cet accord, que venait faire le président de la CENI et si qu'à l'accord politique est acquis signé? Que venait faire le militaire et si qu'à l'accord est acquis signé? Dites-moi, comment un accord politique entre le parti politique et vous voyez qu'on nécessite bah, charger la sécurité, bah, armée, police, y a, t'il a niveau que bah, j'ai un bah, accord na bango, bah, qu'il faut présenter en gros auprès de trois chefs d'État des autres pays. Ndekolangaï, tofan la pensa bien, tostala bien, makambo mou a mobile wana lobi. Ce n'est pas normal. Comment batou nyonso bakanisaka ke, peuple azoba, peuple akondima nyonso, oh nyonso bango bakoloba, peuple foka kandima, parce que bango batay. Non. Nous sommes là pour éclairer la lanterne de notre opinion, de notre peuple. Bon comprendre yango très bien, Monsieur Nanga a oti konobana bino clairement que ba élection ndenge salamaki ba considéra ki na bango ba donné ya élection té. Ba publia ki résultat par rapport ya arrangement particulier entre Kabila et Félix Tshisekedi. Et là, c'est très grave. Et je pense que Ezali Ngonga pona biso toluka koyeba en réalité qu'est-ce qui s'est passé pona boyende to koyeba kozwa de bonnes décisions to koyeba ko sala c'est que makamunyoso eleka le lenge esengeli. Parce que ma déclaration les ambassadeurs, ce sont des déclarations gravissimes. Ils allaient ma déclaration, mon compte très grave. Mais pas tout bas, qu'on avec autant de légèreté. Tolanda, et je crois que. Tiens à garder secret pour des raisons de sécurité. Merci, M. Nanga. Bonjour, M. Perelman. Vous avez récemment affirmé par écrit qu'il y avait eu un accord entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila lors de l'élection présidentielle très controversée de 2018, vous affirmez qu'il s'agit d'un accord conclu juste avant la publication des résultats, devant témoins par les deux rivaux, donc, et validé par trois chefs d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, pour la première fois, exactement de quoi il s'agit? Bon, ok, question.
Batunie soki ba pibiaki soki ba signaki accord avant la publication ya ba résultat. C'est la question qui lui a été posée. Est-ce que vous pouvez confirmer que ba signaki ba accord avant la publication des résultats boyoka? En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Qu'est-ce qu'il dit? En 2018, je confirme qu'effectivement, il y a eu un accord. La question n'était pas à Koutouna, ce qui va signer qui accord en 2018. La question est à la qui, ce qui, à l'issue, il y a une élection en 2018, ce qui va signer qui va accord avant publication à résultat. Publication à résultat, et ça m'a qui le 10 janvier. Mais il y a un lobby, il confirme qu'en 2018, il y a une signature de l'accord. Aussi le fait que non, le président de la République a menti. À l'OBI, celui que vous appelez président de la République, M. Félix Tshisekedi, a menti. L'accord n'a pas été signé après la publication des résultats. L'accord a été signé bien avant. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et de dire pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa. Il y a eu bel et bien un accord. Et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique avec, pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise reprise entre deux chefs d'État. Vous comprenez? C'est-à-dire que M. Nanga vous dit que M. Félix Tshisekedi a menti. M. Félix Tshisekedi vous avait dit que l'accord aurait été signé après la publication des résultats. Il y a le bi accord et Zaraka signé avant publication des résultats. Ce qui veut dire que les deux, Bazako s'accordait était. Un troisième élément, le général John Numbi à le bi, Bango Bazalaka n'a place à accord. L'accord a été signé. Tozongi Susumu Amouke Nassima. Monsieur Félix, c'est qu'il avait nié. La signature, il n'y a pas accord entre lui et M. Kabila. Baloba Kanabino, que l'accord au Bango Bazako considéré, c'est-à-dire l'accord au Bazinaga entre Kabound na Némi. Pendant tout ce temps, ils ont nié l'existence de cet accord. Lorsque nous vous disions que l'accord existe, on nous a posé la question. Est-ce que vous aussi, vous brandir? Qui a déjà vu quelqu'un déclarer qu'il y aurait un accord? Cet accord n'existe pas. Ça n'existe que dans vos têtes. C'est ce qu'ils ont chanté pendant des années, pendant près de 4 ans. Mais après, M. Félix, c'est qu'il vous dit, oui, effectivement, il y a eu accord, mais cet accord a été signé après. Et cet accord, il y a eu accord entre FCC et les CACH pour que va coexister ensemble. Or, M. Nanga vous dit, l'accord a été signé bien avant la publication et résultat. Et d'après Makanisnei, dans sa folie, Alako Kanisake, cet accord est yaki pour sauver la nation contre les attaques yaba ennemi à République. Oh, bah, on va considérer yaba ennemi à République. Un sortant et l'autre entrant. Je confirme. Il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. Alors, qu'est-ce il y a dans cet accord? Il n'a pas été rendu public. Vous avez affirmé que vous en êtes l'un des rédacteurs. Que dit cet accord? Est-ce qu'il dit que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se mettent d'accord pour partager le pouvoir, alors que d'après la CENCO, d'après beaucoup de pays occidentaux, l'élection n'a pas été gagnée par Félix Tshisekedi, mais par Martin Fayulu? Bon, ok. C'est-à-dire que Naboyoki, réaction à Nanga, les journalistes dans sa sagesse lui posent encore une autre question. Pourquoi cet accord Wana et Bimate? Et donc, Nini, Oboyokanaki na Kati a accord. Parce que d'après Batoubabane Koloba, M. Félix Tshisekedi n'était pas l'élu, n'était pas le gagnant. Il y a processus électoral. Si accord Obinobo signaki. Et donc, on n'y a pas de lobby dans le cadre de l'accord. Et donc, on n'y a pas de cas où on n'y a pas de même pour que vous commandez à niveau pour partager le pouvoir.
Non, ne revenons pas sur là. Je pense que ce n'est pas opportun de revenir sur la question de qui a gagné. Parce que... Mais ce que Nanga vous dit, ne revenons pas sur là. Ne revenons pas sur qui a gagné. Non, mais bon Dieu, si on ne revient pas sur qui a gagné, comment saurons-nous que Félix Tshisekedi est en tort ou a raison? Parce que le remords est livré. Vous fustigez que M. Félix Tshisekedi ne respecte pas ses engagements. Mais l'engagement de Félix Tshisekedi était quoi? L'engagement de Félix Tshisekedi, s'il aurait gagné réellement les élections, son engagement était de cohabiter avec les FCC Cash. En quoi cela est-il un problème? Parce que ce que M. Félix Tshisekedi a gagné qui réellement aux élections et que a boy ko coexister dans Kabila. En quoi cela est-il un problème? Pourquoi Nanga a koya côté les Mela Félix Tshisekedi qui aurait gagné les élections, qui a refusé de coexister avec Kabila? En quoi ça le concerne ceux qui Félix Tshisekedi a gagné qui bah élection? Parce que ceux qui Félix Tshisekedi a gagné qui bah élection. Et là qui c'est qu'il avait droit président la présidence de la République, la institution président de la République. C'était un droit parce que c'était lui qui serait élu. Il était en droit d'être président. Alors, l'accord, il y a qui l'accord, il y a partage à pouvoir à quel niveau? Il y a qui accord Nini, que Félix Tshisekedi était réellement élu, mais Félix Tshisekedi aurait soutenu Kabila à avoir la majorité? Ou sinon, Félix Tshisekedi n'était pas élu, Bangonde va commissaire président, va Kabolibo conduit avant publication des résultats parce que et confirmer qu'effectivement, les résultats n'étaient pas encore connus pendant qu'eux faisaient leur deal. Qu'est-ce qui pouvait justifier l'agitation de Nanga, ce qui Félix Tshisekedi Azaï qui l'élu? Et pas dit, ce n'est pas opportun, ce n'est pas important, Babeta qui avait gagné aux élections ou qui n'avait pas gagné. Mais si c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné aux élections, parce qu'il y a tout ça qui publication, la moindre de choses, bah que non, Félix Tshisekedi avait gagné, mais il avait signé un accord. Et s'il avait gagné les élections, était-il tenu de respecter Kabila? Était-il tenu de respecter ces fameux accords, surtout s'il était élu? Comment pourrait-on qu'on revendiquait, et pas Félix Tshisekedi, le fait que Azalaki est élu réellement président, mais il n'a pas respecté les accords? Quels sont ces accords? Accords de gouvernance? Si ce sont des accords de gouvernance, pourquoi cela a-t-il été signé avant que l'on sache qui a gagné la majorité parlementaire? Pourquoi n'avoir pas attendu à ce que tous les résultats aient la connue, que les chambres et l'Assemblée nationale et le Parlement aient la connue pour que vous signiez votre alliance? Parce que cet accord et le partage de pouvoir, c'est par rapport au gouvernement. Ce n'est pas par rapport à l'Assemblée nationale. De toute façon, la CENI a annoncé les résultats provisoires. Et les résultats définitifs ont été annoncés par la Cour constitutionnelle. L'accord était, en fait, la situation, la circonstance de 2018 est une circonstance exceptionnelle où, pour la toute première fois, on n'avait jamais eu une passation des pouvoirs. Et c'est la gestion de cette circonstance exceptionnelle. Ponananga, c'était une situation exceptionnelle. C'est-à-dire que comme il devait y avoir passation et à pouvoir, et Sengela qui à tout prix, Batouba Solola, avant la publication et à bas résultat, pour éviter à ce que le pays ait sombré, d'après Yé dans sa folie, ait sombré dans le chaos. Vous comprenez? C'est-à-dire que Nene Tozawana, toqué dans l'élection, l'élection était justement pour sanctionner positivement ou négativement ceux qui étaient au pouvoir, mais Bango pour sauver, entre guillemets, la nation, et Sengela qui na Bango va signer Bakor avant la publication en résultat, parce que ça serait pour lui la première fois qu'il y ait passation civilisée du pouvoir. C'est-à-dire que l'accord est signé qui pour sauver l'alternance d'après Bango. Mais attendez. Si Félix Tshisekedi était réellement élu, si M. Kabila avait réellement la majorité parlementaire, mais cet accord, pourquoi c'est Pressa qui a signé cet accord? Parce que si les élections étaient transparentes,
et que ceux qui ont obtenu plus de voix, plus de sièges à l'Assemblée nationale étaient réellement ceux qui sont, ont été proclamés. Et c'est celui qui a été proclamé élu président de la République. D'autant plus que Bangomi Bale Bazala qui est déjà d'accord que oh, il a eu présidence, oh, il a eu majorité, bien que les résultats n'étaient pas encore connus. En quoi cela est-il un problème? Pourquoi se plaint-il? Pour qu'il y ait que voilà, il allait résulter à l'élection. Voilà, Mouto Alongaki, effectivement. Voilà, Félix Tshisekedi est réellement l'élu et Kabila avait réellement la majorité parlementaire. En quoi cela est allé consommer la République parce que et Bongi cause à la résultat à Bayoun. Donc, vous comprenez par là qu'effectivement, il y a un problème même en termes de raisonnement, et justement parce que la personne qui se présente devant le journaliste, a kanisa ki que le journaliste est à Mindele, va poser la question, n'est-ce pas journaliste à Congo. C'est-à-dire que pour Naya Ayebi, que voilà, à cause de la superficielle, il va juste faire des déclarations et puis le journaliste va passer outre tous les autres éléments. Mais lorsqu'il constate que la question oh bah ça qu'on posait hier, il a dit bah question encore embarrassante, il suffit seulement de voir le comportement de son visage pour vous rendre compte qu'il était devenu agité parce qu'il a commis bah question encore embarrassante. Vous comprenez par là que M. Nanga, bien que aille koloba certaines vérités, Oyo en réalité est bongi et orienté les actions à public, les actions à notre peuple, eh bien, M. Nanga a compris que il n'était pas innocent. Il a compris que Eloko Wana en réalité est à pesé sur lui. Il a compris qu'il y a des conséquences. Et voilà pourquoi il dit. Moi, Bisso, Bango Seni, ba publié qui ba résultat provisoire qui était confirmé par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que même si Bango ba sala ki mabe, et Bonga ki la Cour constitutionnelle a sala c'est que résultat à ma lame et sala. Il est dans cette logique-là. Bon reprocher, ngate. Ata souri na sala ki mabe, ata souri résultat ane ba na yi ko reflété ba vérité des urnes. Mais il faut reconnaître que, en faisant ça, il y avait possibilité d'annuler au niveau de la Cour constitutionnelle. Mon péché, beau compter à côté, beau compter péché à Cour constitutionnelle, parce qu'il y a un confirmé qui résulta au Yungana publié. Quelle arrogance! Quelle arrogance, monsieur! Quelle arrogance! C'est-à-dire que pour lui, il trouve que c'est un petit problème. Ponaye, nangazo mona que non, voilà, c'est un petit problème. Naye koloba, ba vérité, voilà, monsieur Félix Tshisekedi n'a pas respecté les accords. Bon Dieu. Mais monsieur, vous voulez que monsieur Félix Tshisekedi a respecté ba accord Neni? Yo signa pe ba accord avec l'État. Tu es en convention avec l'État. Tu as signé des accords avec l'État. Tu as fait le serment de ne dire que la vérité des urnes. Namaga mounion soyo sali, en tant que membre ya CENI, au signa qui osoa qui ba engagement avec l'État, de ne dire que la vérité à urne. Tu l'as pas respecté? Mais c'est Nanga, tu n'as pas respecté ton engagement. Toi, tu n'avais pas d'engagement avec Kabila. En tant que président à CENI, tu n'avais que comme autorité la loi. Ok, ça la nini n'a pas arrangement politique entre Félix Tshisekedi et Kabila sur le partage et le pouvoir. Dites-moi. Dites-moi, quel est le rôle il y a président CENI dans le partage et le pouvoir et la gouvernance? Quel est son rôle? Est-ce que vous, premier ministre, vous avez un vote? Hein? Donc, vous comprenez par là que Ponananga, Aza Komonanayango, et le Komo est grave. Et c'est la gestion de cette circonstance exceptionnelle. Donc, Boza Kolanda, Boza Komona, comment Nanga, Aza Ko se permettre, n'est-ce pas, Yako Salamakambu, dans une forme de folie, Aza Koli, Kolakisabino, que voilà,
Oh, il y a Salaki. Et ça, c'est gravité parce que la Cour constitutionnelle et Bonga qui a annulé. Mais le coup, la Cour constitutionnelle a annulé. Bopé sa responsabilité, nous son aïeté. Et parce que Bazalaki est belé. Et parce que Bazalaki sous pression. Et voilà pourquoi Bazalaki est obligé. Il y a qu'aucun de passer, tu vois, là. Et puis, il nous dit, voilà, Félix, c'est qu'il n'a jamais respecté ses engagements. Il devait les respecter. Quels sont les engagements pris par M. Félix Tshisekedi? Dites-nous, un président élu d'après vous, quels sont ces engagements qui devaient les lier à vous pour qu'aujourd'hui, yote les médaillés? Pour ce qui est M. Félix Tshisekedi, Azala qui est réellement élu d'après Oyozo Lingo Lakisanabiso, quel est cet engagement? Parce qu'il est lié par la Constitution, il est lié par le loi de la République. Quel est cet engagement? Oh, il y a Zouaki, oh, Binobo Zelaye a respecté Ango. Soke Zalaki teke bo pesye pouvoir, Bolobine Azala un pantin. Voilà le plus grand problème dans la manière Yaba. Il y a classe politique, la manière, il y a élite politique, la manière, oh, bah, congolais, bah, ça, la kaba analyse, na bango. C'est tout de même décevant, cher ami. Est-ce que bon, mon amour normal? Aboy Koloba, qui a gagné aux élections? Dans la question, bah, poser, par rapport, il y a résultat, bah, élection. Il vous dit que, M. Kabila et M. Félix, c'est que, bah, yokana ki ba kabola pouvoir. Avant la publication des résultats. Et ce qui est surprenant, Tina fait une émission à Oboya Koloba. Non, voilà, c'est M. Félix Tshisekedi qui serait réellement élu. La conjugaison de plusieurs intérêts. Les intérêts de ceux qui étaient avec les différents candidats, les intérêts de la communauté internationale, et ce qu'on a souvent oublié, les intérêts des forces de sécurité de la et de la. Bien entendu, la CENI a joué, devait jouer un rôle. Pour la paix, pour la passation pacifique. L'accord s'est intitulé. Manegolana, Tobane la Moukie, s'il vous plaît. Il faut comprendre bien. Tobane la Moukie, s'il vous plaît. Il faut tout comprendre bien. Bon, mon a comment ce monsieur est en train de délirer. C'est vrai que Bate Bele va vous aller séduit par son discours. Je considère pour ma part. Bato ba sakani na bino na niveau mo boko ko imaginete. Et moi, quand je parlais, quand je prenais parole, quand je défendais ma thèse, bato ba boye koyoka. Les forces de sécurité de l'or et de l'or. Bien entendu, la CENI a joué, devait jouer un rôle pour la paix, pour la passation pacifique. L'accord s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique. L'accord n'a violé aucune disposition de la Constitution. Ndegonanga boyoki. Alobi, l'accord où il a signé un titre nango ezali accord pour la paix. Tobandela, s'il vous plaît. Parce que au moins, Babilo Kohana, ceux qui battent Bazo Yoka Mote la passe. Tobandela, boyoka bien, s'il vous plaît. Il devait jouer un rôle pour la paix, pour la passation pacifique. Ou pour la toute première fois, on n'avait jamais eu une passation des pouvoirs. Et c'est la gestion de cette circonstance exceptionnelle, où il y avait la conjugaison de plusieurs intérêts. Les intérêts de ceux qui étaient avec les différents candidats, les intérêts de la communauté internationale, mais ce qu'on a souvent oublié, les intérêts des forces de sécurité de l'ordre et de l'ordre. Bien entendu, la CENI a joué, devait jouer un rôle pour la paix, pour la passation pacifique. L'accord s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique. L'accord n'a violé aucune disposition de la Constitution. Pour ces messieurs, l'accord est qui commettre en surface, qu'on garantit les intérêts de plusieurs centres. Parmi les centres d'intérêt, oh, il y a énuméré l'ancien président, le président entrant, n'a bateau, bah, là, pour soutenir, bah, on a sima.
Batu ya défense, batu ya sécurité, baza na kati. La communauté internationale, ba konaye. Boyoki atangi peuple te. C'est-à-dire que pour M. Nanga, le rôle de la CNI était de garantir les intérêts ya ba centre wana. Garantir l'intérêt de Kabila, parce qu'il était président sortant. Garantir l'intérêt de Félix Tshisekedi parce qu'il serait le président, il est le président entrant. Garantir les intérêts des généraux, il y a police, il y a armée, il y a un service à sécurité. Garantir les intérêts de la communauté internationale. Bon Dieu. Mais lui, il était là comme qui? Comme celui qui était censé garantir les intérêts des votants. Il n'avait pas pour mission de garantir les intérêts des autres. Mais Senanga n'avait pas pour mission de garantir les intérêts de Kabila. Encore moins de Félix Tshisekedi. Mais Senanga n'avait pas pour mission de garantir les intérêts, n'est-ce pas? Il y a communauté internationale. Lui devait garantir les intérêts de la population qui a participé au vote, le suffrage. Bon, mon délire. Et si Moutou Mouli Mouzaro Bunga. Alors le bas enjeu, le bas intérêt, il fallait tenir compte de la pression, il y a communauté internationale, il fallait tenir compte de l'intérêt à Kabila et tout ça, il fallait maintenant signer un accord pour sauver. Vous allez sauver quoi, monsieur? Vous allez sauver quoi? Parce que le président de la CENI a pour mission d'organiser les élections et de faire connaître la volonté du peuple. Et dans la bateau, candidat. Et dans la bateau, qui accompagnait Bango, ne pouvait pas influer sur la décision du peuple. Il n'avait que pour mission de constater le nombre de voix obtenues. Boyoka. Mais elle permettait la fluidité de cette passation du pouvoir. La fluidité, la passation du pouvoir. Et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à New York, il devait le dire à Kinshasa. Qu'y a-t-il dans cet accord, Monsieur Nanga? Je vous repose la question. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi nie qu'il y a un accord si vous dites qu'il n'y a pas de problème? Pourquoi ce secret? Pourquoi ce mystère? Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. À 100 dans les jours qui viennent, Monsieur Perelman, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage des pouvoirs. Parce qu'on était dans une... Bon Dieu. Un accord qui est signé pour sauver la nation, d'après Bango. Un accord qui n'aurait pas violé la loi, d'après Bango. On lui pose la question. Pourquoi autant de mystères? Pourquoi les clauses? Pourquoi les dispositions? Pourquoi les résolutions? Pourquoi ma texte Oyobino Boyokanaki entre parties? Pourquoi ces textes-là n'ont pas été rendus publics? Allo Biboye! Kalaminité a qu'on rendre un mot public. Pour Nabango, cet accord-là n'a pas violé la loi. Pour Nabango, cet accord-là était un accord normal. C'est-à-dire que Zali a encore au Moutini, c'est toi qui as accédé à Nango. Mais il y a ça qu'on rendre un mot public. Ce qui veut dire que cet accord était un accord secret entre les signataires et les autres participants, et ce n'était pas un accord public. Azolinga rendre un mot public. Allo Banabiso, que voilà, on avait signé un accord, à Kobrandi, à certainement, à les réseaux sociaux, à ça cause il a certainement avis favorable, il y a l'une de parties qui se sent lésée, parce qu'apparemment, vous allez comprendre qu'il y a le bloc Kabila et consorts. Oh, Baza qu'on se sentit trahi par l'autre monsieur, monsieur Félix Tshisekedi. Oh, Nanga lobi a respecté Rabat accord n'a été à retirer la signature facilement. Ce fameux accord, oh, Bango ba obéti là. Et ça accord, il y a FCC cacheté. Parce que l'accord, il y a FCC cacheté. Surtout tout ça, non. L'accord est signama qui le communiqué conjoint. Oye Sinyama qui entre Nanga et Nani, entre Kabund, Nani Miwilanya, c'est de communiquer là.
conjoint au basignaki biso tout aux alam. Tout le monde en a parce que bah check on a réseaux sociaux et après pression. Mais l'accord au bah obéteza accord entre Félix Tshisekedi, l'accord entre Kabila. Parce que ce que ça qui accord entre Félix Tshisekedi et Kabila T. Il y a qui accord entre FCC et Cash. On allait avoir tous les membres, il y a Cash devait être là. Tous les autres là allaient être là. Ça allait se faire de manière solennelle. Comme ça a été fait entre Néhémie, tout ça bien que ça qui on a barre Moïse na Malougou so yapi. Mais bah joie quand même bah ça compte rendu. Mais encore au bah tu bah yébité d'aller encore secret au bah signé qui entre Kabila et Félix Tshisekedi devant les participants, devant les témoins et parmi bah témoins les militaires bazalaki, bah policiers bazalaki. Alors dites-moi si un accord il y a partage à pouvoir et salami part devant la représentation institutionnelle, la représentation des institutions et salami dans ces cadres là. N'est-ce pas là une violation de la Constitution? Comment dans un cadre privé, les institutions qui sont censées rendre publiques les informations relatives à un résultat à l'élection, comment peut-il se retrouver dans une partie il y a candidat? Pourquoi lui n'a-t-il pas facilité la signature des accords entre Kabila et Félix et Fayulu? Pourquoi Signaki va accorder entre Fayulu et Félix Tshisekedi? Pourquoi Signaki va accorder entre les autres partis? Pourquoi a-t-il participé seulement dans l'accord à Félix Tshisekedi et Kabila? Et ça a été fait avant la publication des résultats. Qui peut nous garantir aujourd'hui que la publication a résultat wana et l'anda qui va à disposition accorder? Parce que entre l'accord et la publication à résultat, c'est l'accord qui est venu en première position. Ce qui veut dire que l'accord a influé sur les résultats. Ce n'est pas l'inverse. Et ce monsieur a les culots. Il y a que les canards TV, alors que le banabino, voilà. Non. Ndebonanga, tout petit canard va blague. Batam sa moga bouete. Une situation exceptionnelle où la majorité a été bien et bien gagnée par l'FCC. Vous avez entendu? Avant la publication des résultats, la majorité a été gagnée par le FCC. Avant la publication des résultats, la majorité a déjà été gagnée par le FCC. Alors que celui qui est passé président de la République était... Alors que celui qui est passé le président de la République. Alors que le résultat a été publié, à quoi il a été signé avant. C'est ce qu'il n'était pas président de la République avant la signature. Bon, on regarde bien. Et cet accord a été fait devant témoins, y compris trois chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Je confirme que l'accord a été signé devant témoins militaires. Témoins politiques. Et après, l'accord a été validé et certifié par trois chefs d'État africains. Est-ce que vous entendez? Ces fameux accords, ils allaient qui signer devant témoins militaires. Devant témoins politiques, bah signé en gros avant la publication un résultat, parce que bah y a que ceux qui va publier résultat et que bah encore année salamité mboka inga qui est sombré dans le chaos. C'est à dire que Félix Tshisekedi s'est battu pour avoir la majorité et avoir la présidence. Soit Félix Tshisekedi avait la majorité, mais il a accepté que Kabila soit en gros y a tiki kalaka la présidence. Ou soit il y avait une majorité qui était dégagée et Félix Tshisekedi n'avait pas la présidence. Il faut pas payer ça et en gros, c'est ce qui peut justifier l'accord. Parce que je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un qui a la présidence de la République et qui a la majorité parlementaire de céder sa majorité en faveur de celui qui n'avait pas gagné aux élections. Qu'est-ce qui pouvait justifier cet accord? La question a donc posé Neyangouana. Qu'est-ce qui pouvait justifier un accord qui a été signé avant la publication et un résultat? Nana pose ça à comprendre. Fort malheureusement, Moutaropès a une réponse à Zaté. Vous pouvez les citer? Bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kényan et le président égyptien. Trois chefs d'État qui ont validé cet accord. Trois chefs d'État. Le président sortant
il y a Kenya, c'est-à-dire le parrain de M. Félix Tshisekedi, lui qui a participé dans la signature, il y a accord de Nairobi entre Félix Tshisekedi et Kamere. Il a validé cet accord. Deuxième chef de l'État, c'est le président sud-africain, le parrain de Kabila. Il a participé dans ça. Basu, troisième personnalité, un autre chef d'État, Oyo Azali, plus éloigné les deux, et ce troisième chef de l'État, Azala, qui co-représentait pratiquement les instances régionales. Trois chefs d'État, Oyo va cristalliser l'accord qui a été signé entre partis. Avant la publication des résultats, le monde entier savait que M. Félix Tshisekedi allait être président de la République sans même qu'il va publier les résultats, sans même basa la compilation, s'il vous plaît. Le monde entier savait déjà. Alors, si le président, le chef d'État, on a baillé Baki, ce qui veut dire que la France le savait, ce qui veut dire que les États-Unis le savaient, la Belgique le savait. Qui a entendu ces pays-là féliciter Félix Tshisekedi? Qui a entendu les chefs d'État, il y a un pays où on a félicité Félix Tshisekedi, disant que voilà, nous félicitons l'élection à Félix Tshisekedi parce qu'il serait élu. Par contre, lobby n'est qu'il y a eu un arrangement entre partis. Et le président français a confirmé, a réaffirmé sa position devant Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi a dit, et pas Nabino Pé, Salimaka. Donc, vous comprenez par là que M. Félix Tshisekedi a mis dos contre mur par rapport à cet accord. Voilà pourquoi lui-même vous avait dit, j'ai connu toutes sortes d'humiliations. Dans le discours, on a eu à 6 minutes inutiles. Il savait qu'il n'était pas l'élu. Et ma président Wana, ma chef d'État Wana, pardon, il n'y a pas dit qu'il y avait un accord avant la publication des résultats. Et ça, c'est très grave. Et après, l'accord a été validé et certifié par 3 chefs d'État. Validé, est-ce que vous pouvez certifié par. Bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kényan et le président égyptien. Président égyptien. Vous avez dit dans une interview à Radio Okapi fin août, parce que vous dites que les résultats ne sont pas controversés, vous ne voulez pas revenir dessus. Vous avez dit quand même qu'il y a eu des secrets de délibération des véritables résultats. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que ce n'est pas Martin Fayulu qui a gagné cette élection, M. Nanga, parce que lui le maintient jusqu'à aujourd'hui? Boyoki, c'est-à-dire que le 3 chefs d'État wana, bango bayaki ko validé l'accord qui a été signé. Bon Dieu, bon mais gana ko imaginer, Kabila a eu la majorité en bonne et due forme. Félix Tshisekedi a eu la présidence en bonne et due forme. Signé par accord na bango ya gouvernance. Qu'est-ce que les autres présidents venaient faire là-dedans? Quel est le besoin au Sénégal que les 3 chefs d'État va participer dans cette mafia? Et chaque signataire a fait appel à un président qui était derrière lui. C'est-à-dire que Bazuba parrain, le président sud-africain qui soutient Kabila, le président kényan sortant qui soutient Félix Tshisekedi et le président égyptien Ayé na cadre et Afrique pour que Banima ba accord wana ba accord wana ba bombi ba lobi, voilà, il y a eu des accords. C'est-à-dire que l'arrangement au baloba ki wana, c'était un arrangement vrai. Qui peut imaginer que le président égyptien Ayé ba likambo et que la France a yébaté? Qui peut imaginer que le président égyptien a yébaté et que le membre du Conseil de sécurité a yébaté? Comment beaucoup gérer le Kouana? Comment beaucoup gérer et le Kouya Marc Yohana? C'est-à-dire que le bas qui est à niveau africain et le bas qui est en haut. Voilà pourquoi vous trouvez, lorsque l'Union africaine a chaque pression pour que va suspendre les publications à résultat, Kabila a insisté à lui, pas question, il faut pas publier les résultats à Ndenge Zawana. Baba qui suspendait la publication à bas résultat.
Pas question, il faut que Nekaboué. Pourquoi? Parce que lui, il avait un accord. Comme la communauté internationale lui faisait pression de partir, a dit ok, nakotia mutunanga. Le quoi nani shadari moye sa la te pwe nake sa la tole, ba bi ok, fayu lu yo to le kati o ko le kate, ba pe sa yamwe pa Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi a accepté de signer cet accord. Et Félix Tshisekedi vous avait dit qu'il était déjà informé que c'était lui l'élu. Tango Tshibanda, le vieux Tshibanda Benginga, na ebi se soko bo benginga po ke bo proposer nga ke na koma premier ministre ya mutuna bino na ko sala yango te parce que na yeba ki deja ba resultat. Alors que nanga vous dit c'était avant que ya yeba resultat. Mais si Félix Tshisekedi était l'élu, si réellement c'était lui et ka yeba ki ke ba resultat ke ye muta gagné, pourquoi nanga ne dit pas que Félix Tshisekedi avait effectivement gagné? Azobo ya ko beta masula ya resultat. Parce que vous avez failli la zako loba. Yomoko loba qui n'a radio kapi. Qui la délibération a résulté. Ça a maki, c'était pas Félix Tshisekedi. Habite, n'a loba qui a mon radio kapite. Pourquoi on va vous prendre pour des gamins? Pourquoi on ne veut pas respecter votre point de vue? Pourquoi on ne veut pas respecter votre choix? Peuple congolais, ou fan di pozozi là. Tolandaye. Ça au capi, encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets de délibération des votes. Il est pour moi, c'est monsieur, n'a évité ce qui va prendre des zones à Bakongo et Gogo Sama les sous. Aujourd'hui, que ce n'est pas Martin Fayoulou qui a gagné l'élection, monsieur Nanga, parce que lui le maintient jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais dit ça au capi. Encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets de délibération des votes. Pour lui, il ne peut pas divulguer le secret de vote. Il y a délibération de vote. Bon Dieu! Messieurs, vous dites à la population que c'est Félix Tshisekedi qui aurait gagné aux élections. Tout le monde sait que yo, le bari que Félix Tshisekedi a gagné l'élection avec 7 050 000 voix. Le secret à délibération de vote, vous avez délibéré sur le vote de quoi? Parce que si Félix Tshisekedi avait obtenu 7 050 000 voix et que Martin Fayoul Azaraki n'avait pas 6 400 et quelques mille voix, toutes choses restant égales par ailleurs, c'est Félix Tshisekedi qui devait être proclamé élu. Mais pourquoi 4 ans après, Ozoko a copé ça, le vrai résultat à vote? Au recours du secret à délibération et à voter. Alors, ce que tu as divulgué là, ce que tu as publié, et là, moi, secret à résultat, et là, secret à sur base de quoi êtes-vous arrivé à proclamer Félix Tshisekedi président? Oh là 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 là. Mboka oyo. N'a évité comment vous voyez les choses. Mais moi, je pense, à un certain moment, ces gens sont en train de délirer. Ce qui peuple Bouti Kabango Bobouza, la responsable. C'est quand même décevant. C'est très grave. Là, cette question a été réglée par la loi. Dans la mesure où la CENI a proclamé les résultats provisoires qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Le problème avec... Cette question a été réglée par la loi. C'est-à-dire que la loi dit, lorsque la CENI publie, les résultats sont provisoires et la Cour constitutionnelle confirme. C'est ce que lui considère comme loi. C'est-à-dire que même si la publication n'a pas été faite conformément à la volonté de la population. C'est-à-dire, si ça ne traduit pas les résultats des urnes, l'essentiel, c'est que la CENI fait la publication provisoire et la Cour constitutionnelle a confirmé. Le fait seulement que la Cour constitutionnelle confirme ce que la CENI a publié, pour lui, c'est ça le respect de la loi. Aberration.
C'est-à-dire qu'il a le culot de vous dire, non, voilà, moi j'ai publié les résultats, même si c'était de mauvais résultats, mais le fait seulement que cela ait été confirmé par la Cour constitutionnelle, comme la procédure aurait été respectée par rapport à la publication, moi je me désengage à aller poser la question à la Cour constitutionnelle. Ces messieurs sont courageux. Ces messieurs sont courageux. Et là, peuple a fandi à Zosé. Marc, le problème dans cette histoire, laissez-moi le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, comme je les ai cités au départ. Vous aviez la CENI, la Cour constitutionnelle. Vous aviez, bien entendu, l'ancien chef de l'État et les nouveaux chefs de l'État qui est en fonction. Vous avez les services de sécurité et la communauté internationale. C'était autant d'intérêts autour de la question. Boyoki, il y avait beaucoup d'intérêt autour de la question. C'est-à-dire que pour Naye, Lokola, Félix Tshisekedi avait des intérêts, Lokola, Kabila avait des intérêts, Lokola, Batouya, Sécurité avait des intérêts, Lokola, Communauté internationale avait des intérêts, et bien lui, au lieu de traduire la volonté, de traduire la volonté à peuple en publiant les résultats, il a préféré se conformer à ses intérêts-là. Mais M. Félix Tshisekedi n'était pas le seul challenger du pouvoir. Il y avait d'autres candidats. Alors, pourquoi vous intégrez les intérêts de M. Félix Tshisekedi avant la publication des résultats? Pourquoi? Quelle est la particularité de la candidature à Félix Tshisekedi pour que vous, comme à la niveau à Kolobaki, non, voilà, avant la publication, il fallait tenir compte de ces éléments-là, des intérêts de Félix Tshisekedi, des intérêts de Kabila, des intérêts... Non, nous sommes là en train de parler du résultat des élections. Le peuple vote, le peuple attend les résultats. Qu'est-ce que ça vient faire là? Que viennent faire les intérêts de Félix Tshisekedi, de Kabila, des agents de sécurité, de la communauté internationale? Ça vient faire quoi dans la publication des résultats? Bon Dieu! Ça vient faire quoi là? Et ça là, nini! Ça vient faire quoi? On publie les résultats, c'est tout. C'est ce qu'on appelle la sincérité des scrutins. On publie les résultats, monsieur. Vous voulez nous dire que si le vrai élu était proclamé, ça allait mettre en mal les intérêts de la communauté internationale? Si celui qui a été réellement élu était proclamé, ça allait mettre en mal les intérêts Yabaja en sécurité. Si celui qui était réellement élu a été proclamé, ça allait mettre en mal les intérêts de Kabila et de Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi il fallait maintenant trouver un mécanisme pour sortir de la volonté de la population et garantir les intérêts de ces groupes-là. Oh là 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 là. Ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? Oh, Mboka Nini, oh, Zomon a pelage Moutou, Azomon a le quoi à Moutama Loga, la type cravate, la type veste, Azomon a Makam Loga Moutaliboma. Messieurs, Non, attendez. Vous voulez me dire que cette catégorie de gens que vous avez cités ont le pouvoir sur le souverain primaire? Ont le pouvoir sur le peuple? Ce sont eux qui doivent décider sur qui doit être le président. Vous voulez réconcilier leurs intérêts au détriment de celui du peuple? Et puis vous pensez que vous avez respecté la loi? Oh! Peuple congolais, s'il vous plaît. Botika kolala, mon andenge mboka na bino ezali. Bon mon andenge complot oye salamaki contre vous. Et voilà pourquoi j'ai dit, quand j'avais levé le ton par rapport à cette aventure au Salamaki par général John Numbi, il y a eu des gens qui m'ont appelé pour m'intimider. On ne m'intimide pas, moi. Vous comprenez? Je suis en train de défendre les intérêts de toutes les générations qui viendront après nous. Vous n'avez pas le droit de marcher sur nos droits. Vous êtes qui? Ce n'est pas parce que vous avez le droit, le pouvoir de tuer des gens, vous avez des armes, qu'on doit commencer à fléchir. Non. Non. Plus de 18 millions de personnes. Babimina c'est à Mboula. Bakéé qu'on votait. Avant que tout le monde soit résultat. Bino.
Vous êtes décidé à kokomi sa batu, kokabola bokondi, boboyi kokipe au peuple à lingi. Oh non, il y a un intérêt à ta sécurité, il y a un intérêt à la communauté internationale, il y a un monsieur, vous serez arrêté, et ça je vous le promets. Arrêtez de jouer avec le peuple. Tant on est, c'est l'équi. Tant on est l'équi. Tu vois, on a un peu de souk à vite. Tu vois, on a un peu de souk à vite. Et ça, il y a un peu de tata à vite. Il y a un peu de tata à vite. Comment vous voyez, avec autant d'orgueil, avec autant d'audace, vous avez un peu de souk à vite. Non, c'était. Monsieur, vous allez être arrêté. Vous tous là, vous allez être arrêté. Ça, je vous le promets, vous serez arrêté. Petit gabagé. Bon, moi, je vais vous blague, Bondé. Bon, il y a un cahier. Et donc, le président de la CENI, l'ancien président de la CENI, seul que je suis, et que je sois en train d'en payer la facture. Tozala qui est belé. D'après yé. Bazala qui est belé. Basali makamunyon so wana ensemble. Siko batunyon so baza kota la ka ye. Pona nini bolingi ye a fout ta facture. Alors que Bazala ki e belé. Il a subi des pressions. Il a fait des choses. Siko ya a publié résultat provisoire par rapport à bato ba senga ki e. Et puis kou konsone a confirmé résultat ma be wana. Siko bino le botala batunyon so wana. Botala Félix Tshisekedi, botala Kabila, botala batu ya sécurité, botala communauté internationale, botala kanga, ancien président, bo lingana me ma poignon so ya marambo e sami ya mabe. Oh! Mouto a joa courage penza. Donc, libo me isa la ganango te ge lambe change. Bo zambogo na ba blague. Ainsi que mon conseiller technique avons été sanctionnés par les Américains à cause de ça. Et aujourd'hui, ils ont été sanctionnés, c'est-à-dire lui, Basengezi et son assistant, ils ont été sanctionnés par les Américains à cause de ça. Le ça là, c'est quoi? Parce que justement, Babandaki a profité de la fonction de Bango pour désorienter la volonté du peuple. Ils ont été sanctionnés par les Américains. Les trois ont été sanctionnés par les Américains. Il y a moi, Monique, qui sanctionne les autres, qui est la caraïe. Mais Batumoussou, ce n'est pas le qui n'a dit l'Ouana, pour occuper Bamote. C'est ce qu'il vous a dit. Oui, on ne peut pas nier qu'il y ait un accord. Et c'est ce qui est très énervant, parce que ceux qui sont bénéficiaires, de ceux qui le premier bénéficiaire de cet accord, il devrait être sincère et être. Le premier bénéficiaire de cet accord, il devait être sincère. Et quand il dit le premier bénéficiaire de cet accord, il fait allusion à Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que pour lui, comme Félix Tshisekedi était le premier bénéficiaire, il devait être sincère. C'est-à-dire qu'il devait dire la vérité. Dire la vérité comment? Alors que voilà, il y a eu effectivement un accord. Mais cet accord, c'est entre parties. L'exécution de cet accord dépend de la volonté des partis. Mais cet accord s'est juxtaposé sur l'accord, sur le contrat social que nous appelons la Constitution. Cet accord a violé la loi électorale. Cet accord a violé les dispositions pertinentes de la Constitution. Cet accord a violé la volonté de la population. C'est-à-dire que Monsieur Nanga, dans sa folie légendaire, Azako Kanisa, que la solution est la meilleure, c'est de pousser la population à comprendre qu'il y a eu effectivement accord et cet accord n'aurait pas violé la loi. Mais en même temps, il demande à l'une des parties de respecter l'accord. Et lorsqu'on lui pose la question, quel est le contenu de cet accord? Alors, il dit que Kalaming était à Kobimisango. Nekonanga, vous comprenez si Katoza? Pour comprendre ici Katoza, comment peut-on mesurer l'intérêt de la population dans un accord qui n'est pas connu, qui n'est pas dans le journal officiel? Un accord signé entre parties. Et l'une des parties n'obéit pas, ne respecte pas le clause. Et l'autre partie se plaint. Et la question maintenant, si la première partie respectait les clauses et que la seconde partie applaudissait ce qui se faisait,
Quelle est la part du peuple? Quelle est la part de mon peuple? Et les gens trouvent ça normal. C'est gravissime. Ils ont suspendu les dispositions de la Constitution. Ils ont suspendu les dispositions de la loi électorale pour avoir ce qu'eux appellent une alternance. Et une alternance pacifique, une alternance civilisée, passation civilisée du pouvoir. Et les gens trouvent ça normal. C'est répugnant. Et on a toutes les raisons d'être en colère. Nous avons toutes les raisons. Être dans l'humilité, ce n'est pas mentir. Il a menti. Et ce que je ne comprends pas, Monsieur Nanga, c'est en quoi cet accord devait-il être secret? Si c'est juste un accord de partage de pouvoir, en quoi est-ce que ce serait un problème de le rendre public et pourquoi tant d'enjeux autour de ça? Ok, question. Si le contenu de l'accord est bien, si l'accord n'a pas violé la loi, pourquoi créer autant de mystères? Pourquoi Félix Tshisekedi nie-t-il l'existence de cet accord? Et aujourd'hui, Animi accord, mais a dit que ça a manqué après. Pourquoi Kabila n'a-t-il pas rendu cet accord? Pendant tout ce temps-là, lorsque les gens ont parlé, pourquoi Nanga n'a pas rendu public cet accord? Et pourquoi en parler aujourd'hui? Ce sont là des questions qu'on lui pose. Et fort malheureusement, monsieur ne va pas donner la bonne réponse. Parce qu'il y a dit que ce qui a lobby vérité, en réalité, la justice devait s'en saisir. Ma bekagapo justice, c'est un mot justice au service de Félix Tshisekedi. Ça veut dire que bako kangaye, mais bako linga vérité ya yebe le bamate. Voilà l'environnement dans lequel vous vivez, chers concitoyens. On ne vous respecte pas. Personne ne veut prendre en considération vos déshydratants. Votre volonté n'est pas respectée. Voilà pourquoi les gens ont la facilité de prendre votre argent et d'aller les dilapider. Voilà pourquoi les gens ont la facilité de vous faire arrêter, de vous jeter en prison et vous n'avez pas de bon jugement. C'est-à-dire que personne n'est en sécurité avec ces voyous-là. Personne. Ils sont en train de marcher sur le droit du peuple. Mais le réseau, ça n'a pas ce peuple à faire d'oser là. Ah, Ezamawa. Namona makamunamboga membogo ezasuka. Monsieur Perelman, ce n'est pas à moi de vous apprendre que dans la vie des sociétés, les sociétés vivent des accords. Les sociétés vivent des accords. C'est un accord secret. Cet accord est un accord public qui sera rendu public dans les jours qui viennent. Un accord public qui sera rendu public dans les jours qui viennent. 4 ans après. Il n'a pas été rendu public. Au moment où il a été signé, début 2019, quel était le problème? Il devrait être rendu public aujourd'hui parce que le premier bénéficiaire a nié l'existence, ce qui est un mensonge. C'est ça tout le problème. Ses soutiens affirment que vous agissez ainsi aujourd'hui. Vous avez suivi? Alors, dites-moi, peuple congolais, on fait quoi? Dites-moi, vous avez suivi? On fait quoi après? S'il vous plaît, dites-moi, on fait quoi? Aujourd'hui, vous avez la certitude qu'il y a un groupe de délinquants qui se sont organisés et s'accaparés du pouvoir du peuple. Ils l'ont géré à leur manière et aujourd'hui, Bazako s'est disputé le part. Si vous êtes victime, Oseani, n'avez-vous pas dit que la solution à Maramba Congo est la révolution. Sans révolution populaire, il n'y a pas de résultat. Il n'y aura rien. Tant que Batoubako Banga peut pléter, tant que Batoubako a la capacité à corriger ma baisse à passé, tant que Batoubako a la capacité à Banga la sanction populaire, il n'y aura rien.
Nous avons commis ça 200 millions de dollars à tenir 20 millions de dollars. Vous allez applaudir. Babé Gango, la démocratie, tais-toi et mange. Comment pouvez-vous supporter vivre dans de telles conditions? Comment pouvez-vous supporter Bakba marcher sur vos droits? Peuple congolais! Peuple congolais! Batounyonso va participer à qui n'a dit Luana. Tous sans exception vous disent pratiquement la même chose. Ils ont donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. La question que vous devez tous vous poser, Bazoua qui pouvoir à Ngowapi. Pour vous conduire, on a coupé ça, vous conduire, ça vous conduire, ben il cague pas le peuple. Article 5 de la Constitution. Peuple, on a pour Fandi. Aux Obama, on a la révolution, on s'est libéré, on s'affranchir. On a la mignololo. On bouka bouka, vous conduire, tchana na oyo. Aucun à tous les délinquants qui ont participé à détournement à volonté à peuple. Ils ont marché sur le droit souverain. Peuple a fandi, a osé. Si vous pouvez que vous congolais, Ngonga yango e belemi. Ngonga yango e belemi, il s'engé na bino nyonso. Et si vous allez, botelement. Bote les matos si les aventures wana. Bago boma na bango, oui, bago boma. Bago kanga, oui, bago kanga. Bale ki biso ne belete. Bale ki biso pe na kandate. Biso to obunda po na survie. To obunda pour sauver la nation. To obunda pour sauver notre avenir. To obange la ni. To obanga nini. Toyeba et lokoyo to lingi. Soit to ndimi to tika ba esclave, soit to bundi pour que to se libéré. Mouto a linga ka vi, il faut être capable yako kaba vi na e pour sauver la vie. Mouto a linga ka liberté, il faut être capable yako céder liberté na e ko céder vie na e pour kaza la libre. Celui qui aime trop la vie ne mérite ni liberté ni la vie. Vous ne voyez que votre génération, hein? Une population moko vraiment exceptionnelle. Ceux qui transportent exacte à Betty Makolo, ceux qui bloquent à colis exacte à Luki Formi, à Wokozanga bloquent à colis la foufou à Zumanga à Toki Sache Mungwalie. Ceux qui ont la possibilité de lier à ta zumba en mouba, les sensés et kaka. C'est-à-dire que yo, salamaga pour s'adapter à naba. Non. Non, peuple, il faut vivre. Et ça, la passe, c'est ça, la sonne. Namboga na biso batba ou koufou nandala. Namboga na biso batba ou saka nambongo. Et puis, ba zumba ou konza mouibi, mais ba komi lo lendo. Peuple, la pesa abou konza ane l'autre. Peuple congolais, téléma. Peuple congolais, téléma. Sala nyonso, article 64, et ça l'a enclenché au plus vite. Peuple congolais, nazako senga na yo. Et si ka nyonso zali, sala nyonso, nyonso, nyonso. Ke bokonzi na yo, moutou atambola likolo na yangote. Pour ceux qui battent, tamboli li kolo ya bokonzi na yo, c'est fini. Banana yo, banana yo, bakoza la condamné na même situation. Il faut faire le choix. Mourir n'est rien. Mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Naza ko senga na yo, peuple congolais. To sangana, to bunda. Pour que to enclenche l'article 64. Un article, oh, souka. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Nanga. K
qui était la deuxième personnalité à système électoral. A oti ko confirmé na bino ke ba pesa ki Félix Tshisekedi Bokonzi. A oti ko confirmé na bino Bokonzi a tchana na oyo Félix Tshisekedi aza na ango eza Bokonzi a moibi. Bolali, bofandi bozela. Non. C'est votre constitution. C'est votre volonté. Levez-vous. Botele ma bobunde la mboka na bino. Batouana boolo ba banga kabino. Bino sko bo banga ba onde ba o profite na bo banga. Vous pensez si le peuple a bimi ko revendiquer droit na ye. Policier wana ko beta masasa ko boma. Be soda ko beta masasa ko boma. Ana famite. Ape na fami. Et vous pensez que ba o boma combien? L'histoire a Congo est comment mana makila a jeunesse na ye. L'histoire à Congo est comment ma maquila tunaye. Lumumba était jeune. Toti ka aventure s'il vous plaît. Mokeke mabe. Le quoi bateau yo ba délinquant oignon se va commencer à ba déclaration na bango. Il est temps d'en finir. Il est temps de mettre fin à cette folie. Partout et si kozali téléma. Bundela école na yo. Téléma Bundela va droit na yo. Donne un sens à ta vie. Et rien ne te dit que Goku Fakak. Bundela ose que trouver juste. Tika Golal. En tout cas, merci. Yamone Sengela qui n'a biso lelo to solo la yango. Et j'espère seulement que Bozui message Nangai, je le dis avec ma tête et avec mon cœur. Olingo contacté Bisso, +243 81 250 28 51. 81 250 28 51. Compo Rogotine de la Bisso, email. Directoire Lebat. Directoire Lebat, en un mot, en minuscule. @gmail.com. Comme pour vous, de l'anga. Alain Bolojoa Ibola @gmail.com. Vous en contact Nabiso, tout solo l'ensemble, tout yéba comment enclencher l'article 64 parce que l'avenir de notre nation en dépend. En tout cas, merci beaucoup. Na sepela ki ndenge vous allez très nombreux. Na moni déjà en ligne. Vous allez qui vraiment ébélé. Bien que Bamsou Baoké ne Baokota. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Ou sinon, Ndenge Bolandi, na sepeli makasi, meboye bango, nazako lekawa, po na ko conscientiser bino, ko pousser bino bo telema. Moutou mota o kangara bino po bolobe article 64. Ou sinon, va passer une constitution, ou sinon, va tiki bino bo salaire. Parce que c'est dans la constitution. Au revoir, bye et à la prochaine. Merci. Mission TV, le miroir du monde.